Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation des différents bâtiments de la série Boss. Alors, il faut savoir qu'il y a une vidéo juste avant celle-ci sur comment créer le corps de ferme que vous voyez juste en face. Et donc là, c'est la partie 2, la suite logique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes fonctions des bâtiments. On va les traverser et vous montrer un petit peu comment les utiliser avec les véhicules du jeu. Alors je vais pas tout vous montrer non plus, le but c'est de vous garder quelques surprises aussi. Donc il y a 7 bâtiments, plus un pack de décor qui permet de faire en fait l'ensemble des murs, des portes que vous voyez juste devant. Le premier c'est le hangar, enfin plutôt le corps de ferme juste devant ici, qui est composé d'une partie maisonnée et d'une partie plutôt on va dire hangar cette fois-ci. On a ici un petit local qui a l'éclairage, qui permet d'y mettre de l'outillage, on va dire. On a un garage accessible soit par une porte personnelle, soit par une porte de hangar. On peut y mettre donc une voiture plus un petit véhicule si vous le voulez. Il y a l'éclairage juste ici, ça allume ici. On a également ici une porte mais qui ne donne sur aucune pièce, c'est simplement du décor. Et également ici une autre porte qui, une fois ouverte, en fait, vous donne accès à une petite pièce. Alors il y a déjà des décors qui sont dispositionnés lorsque vous achetez le bâtiment. Vous pouvez en rajouter directement dans le mode si vous le souhaitez. Ensuite, on va rentrer dans le corps de ferme. Donc j'ouvre le portail simplement. Vous avez les animations et les bruitages d'animation également. On va commencer par la gauche. Donc la suite du corps de ferme. On a un hangar couvert avec un espace ici avec un petit peu des sacs, des petits décors. Excusez-moi, une charpente visible avec ici l'intégration des luminaires dans l'entrée et ici une petite mezzanine au-dessus du garage qui permet d'avoir un accès. Vous pouvez stocker ici par exemple de la paille ou des sacs, des semences, des choses comme ça. Au niveau des dimensions, on passe largement avec un véhicule. Ici, on a un 6R, il me semble, c'est ça. Vous voyez, on est encore bien assez haut. Ici, une petite tonalisée. Ensuite, le deuxième bâtiment, donc c'est le hangar cette fois-ci Boss. Donc c'est le bâtiment le plus grand au niveau de la longueur, c'est également un des plus hauts. On a plusieurs segments. Donc le premier c'est un petit mur de refend ici en béton qui a été rajouté, ça fait un petit peu artisanal pour faire du stockage. Alors moi j'ai mis de la chaux, mais vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Ensuite j'ai intégré, alors c'est un élément qui est rajouté, ça, la station essence c'est un élément qui est rajouté, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs usages possibles de ce bâtiment. Moi j'ai mis une petite pompe à essence ici, des sacs également de semences. On a un autre mur de refend qui va venir servir de support pour des planchers. Donc on a différents planchers bois, on peut y accéder par cet escalier. On a également des trous pour donner l'impression que voilà, que tout n'est pas terminé ou que ça a vieilli un petit peu dans le temps. On a l'éclairage que vous voyez ici en charpente suspendue, juste ici. Alors pour l'allumer, c'est au niveau de ce petit local, vous avez ici l'éclairage. Alors si je me coince pas avec la lampe, voilà. Ouais, y a l'éclairage qui se met en route. Alors l'herbe qu'il y a ici, vous en faites pas, elle n'y est pas dans les bâtiments, c'est simplement que j'ai un petit peu... En fait, j'ai dû refaire le corps de ferme en vitesse parce que l'ancienne map ne fonctionnait plus. Donc j'ai refait ça un petit peu vite, mais voilà. Lorsque vous le placerez, vous, il n'y aura pas ce souci-là. Donc voilà pour le bâtiment hangar. Il n'y a pas de fonction particulière à part l'éclairage, c'est simplement du bâtiment de stockage. On va ensuite passer à un bâtiment plus important, plus gros aussi. C'est le bâtiment, la porcherie. Alors la porcherie, elle a deux façades, elle a cette façade-ci avec toutes les ouvertures et de l'autre côté une façade avec un enclos. Donc toutes les portes s'animent, ici on a la porte pour les véhicules et là à chaque fois on a des portes en fait pour les cochons. Donc en fait comme dans le temps ça se faisait, bien évidemment on peut les ouvrir, les fermer. On a un système avec des auges pour les nourrir. Alors on va justement le faire. Donc pour les nourrir, en fait, vous devinez, c'est le petit boisseau ici qui est là. En fait, il suffit simplement de remplir la trémie à ce niveau-là. Vous voyez, je l'ai déjà bien rempli. Et ensuite, c'est aspiré par ce tuyau. Et ici, il y a un système qui est un petit peu bricolé, qui aspire l'air et qui renvoie en fait les aliments directement dans les auges. Alors ça n'existe pas
en tant que machine manufacturée, c'est plutôt quelque chose qui est artisanal, fabriqué par l'agriculteur, mais c'était un petit peu l'idée de la série, c'est de faire quelque chose un petit peu artisanal. Alors pour le remplir, vous pouvez utiliser soit un chargeur frontal, soit directement un télescope. Le télescope, voilà, je vais vous montrer si c'est pas tout rempli. Voilà, c'est bon. Alors le message là, c'est simplement si j'ai versé un petit peu trop tôt. Donc si vous remplissez comme ça, vous pouvez voir dans les animaux ici, voilà, en fait ça remplit bien, c'est pas, ça c'est bien fonctionnel. Donc je vais remettre le télescope ici. Vous avez ici un petit endroit également où il y a des outils. Pareil, le sol là, c'est moi en déplaçant le sol que ça fait ça. En réalité, il n'y a pas de problème, hein, le sol reste bien droit. Voilà, c'est des petites décorations. On a également l'éclairage juste ici, vous voyez, qu'on peut éteindre. Et on peut ressortir ici par cette petite porte. Voilà. De l'autre côté, ici, on a le lisier. Donc le lisier, en fait, il fonctionne avec le manure system. Je vais essayer de le brancher si ça veut bien. Ah, ne dis pas que je l'ai coincé dans la grille. Voilà, on va le brancher. Oh, bah, décidément, quand c'est en vidéo, ça veut jamais. On va le mettre dans le bon sens, peut-être que ça ira mieux. Valide. Bon, alors je sais pas pourquoi ça veut pas. Ah voilà. Bon, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, vous avez juste à venir avec une tonne à lisier. Je pense que je vais pas le faire, il n'y a pas besoin, vous avez compris le système. Ici, le lisier se remplit à mesure que vous alimentez en eau vos animaux. Alors l'eau, ça s'alimente juste ici. Vous pouvez ouvrir la barrière là pour venir avec la tonne à eau. Et vous venir ensuite vous amener ici et vous pouvez remplir. Ensuite, au niveau du paillage, alors cette fois-ci, je vais peut-être le faire pour vous montrer. Ça se situe exactement au même endroit. Je vais juste prendre ce véhicule qui est déjà chargé. Voilà. Alors, bien évidemment, qui dit corps de ferme boss dit petit équipement. Ça sert à rien de venir avec des énormes véhicules, ça passera pas dans les portes. Là, c'est tout juste pour les véhicules de taille moyenne. C'est volontaire. Voilà, donc là je vous montre la paille. Je sais pas si j'aurai assez parce que j'ai je crois que j'ai 25 cochons, il me semble. J'en ai combien? 16 pour l'instant. Je crois que vous pouvez en mettre 25. Voilà, vous voyez la paille qui se répand sur le sol. Elle se fait aussi à l'extérieur pour donner l'impression que la force de sortir les cochons on en met dehors. Vous avez également les salissures. Enfin les salissures, plutôt les rejets des animaux qui se situent dans le parc cette fois-ci. C'est pas uniquement au niveau des auges, puisque ça devenait un peu compliqué de venir chercher au godet entre chaque auge. C'était un petit peu délicat. J'ai préféré le mettre dans le parc. C'est plus simple pour venir nettoyer. Voilà, je vais couper celui-ci. Alors si je peux sortir, voilà. Et ici vous avez le fumier qui va apparaître. Alors j'en ai pas pour le moment parce que j'avais pas mis de paille dans l'enclos. Maintenant ça va se produire doucement. Donc voilà, le fumier apparaît ici, dans la petite fumière. Ensuite, on va regarder un autre bâtiment qui est la bergerie. Alors la bergerie, c'est un bâtiment qui est en angle, comme vous pouvez le voir. Ça permet de faire la relation entre la porcherie et le bâtiment de céréales. Vous avez un petit local ici de décoration avec pareil l'éclairage comme d'habitude. Et voilà, il y a à chaque fois des petits décors pour donner du réalisme. Et ensuite, vous avez la partie bergerie à proprement parler. Avec ici les auges pour remplir, les nourrir. Vous avez ici l'eau. Alors je passe. Ici vous avez une auge pour l'eau. Et ici la laine qui apparaît en fait dans ce petit local. Pareil, vous pouvez l'éclairer. Juste ici. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est assez petit. C'est un petit peu, comment dire, comme les anciennes fermes. Vous pouvez ouvrir les portes bien évidemment. Alors pourquoi celle-ci ne s'ouvre pas? Si c'est bon, voilà. Et vous avez à l'extérieur une petite cour. Ici pour manœuvrer, et ensuite vous avez deux enclos, un enclos de grande taille qui est en relation avec l'étable, donc les moutons peuvent rentrer et sortir de l'étable sans problème. Ici un semblant de système pour pouvoir gérer les troupeaux, et ensuite ici deux petits enclos qui peuvent également s'ouvrir si vous voulez faire un peu plus de roleplay, isoler certains moutons, voilà, c'est ici que ça se passe. C'est bien évidemment dans l'alignement de la porcherie. Tous les bâtiments ont en fait été calés pour qu'ils s'alignent correctement.
Alors je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer. Peut-être je peux nourrir les moutons. Est-ce qu'ils sont encore de la place? Oui. On peut... Alors vous voyez ici, voilà, les rejets se font bien dans le couloir là. Vous pouvez les nettoyer si vous le souhaitez. Je vais les nourrir pour vous montrer. Alors il faut aussi savoir que l'espace dans la bergerie est assez petit comme vous l'avez vu. Donc pas la peine de venir avec une mélangeuse à trois essieux. Déjà celle-ci c'est limite. Hein, c'est... Moi je le fais en marche arrière directement, c'est plus simple que venir dans le couloir. Alors, je sais pas si je vais rentrer tout bien. Ah, nickel. Vous pouvez reculer, vous venez contre et vous pouvez décharger directement. Donc là les plantes sont déjà au maximum au niveau de la hauteur. Mais bien entendu, si c'est vide, vous voyez l'herbe apparaître. Et voilà. Ensuite, il y a cette porte que vous pouvez ouvrir et fermer. En fait, ça ferme pas le bâtiment, simplement si vous préférez vider ici ou directement tourner pour venir ici. Voilà, il faudra changer de porte simplement. Je vais éteindre ce tracteur. Ensuite, on a le bâtiment céréalier, alors qui est composé en fait de deux bâtiments, si je puis dire. On a une partie ici, donc pareil, le sol ici, il n'y aura pas le problème. Avec du stockage pour les semences. Alors là, j'ai rien mis pour le moment, mais il faut imaginer, en tout cas, dans son rôle premier, c'est le stockage des semences. Vous venez avec votre petit semoir, vous pouvez le remplir, faire. En fait, c'est un local phyto si vous voulez un petit peu aménager. Vous pouvez en mettre également au niveau de la mezzanine ici. Vous avez l'éclairage ici. Vous avez une petite, un petit interrupteur. Voilà. Et la deuxième partie du bâtiment qui est un petit peu plus pratique, entre guillemets. Voilà, c'est la partie stockage des céréales, donc pareil, vous avez l'éclairage ici, voilà, tac, tac. Ici la fosse pour vider, et après le convoyeur qui permet de monter le grain en fait dans les 6 cellules qui sont à disposition. Les voici. Vous pouvez monter à l'échelle, bien évidemment, ça fonctionne. Voilà, ça vous donne un bon petit point de vue. Et si vous voulez récupérer votre grain, il faut stocker. Vous mettez en dessous, vous appuyez sur R et le grain en fait va sortir de la buse qui est juste ici. C'est un système à double sens. Que dire de plus sur ce bâtiment? Pas grand chose. Dans son fonctionnement, c'est assez traditionnel. Hein, c'est un bâtiment de stockage. Vous avez une petite porte ici, si vous voulez voir. Et enfin, on va terminer par le poulailler, qui est le plus petit bâtiment d'élevage pour le moment en tout cas. Vous avez deux parties, une partie enclos ici qui est comment dire aménagée de cette manière là, donc il y a déjà les petits deux objets qui traînent. Vous pouvez remplir le grain ici, donc vous avez la porte qui s'ouvre bien évidemment. Si vous avez le mode pour avoir la petite brouette, vous pouvez verser à la brouette directement. Sinon vous venez avec un télescope en hauteur, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc les poules peuvent monter, vous voyez, sur les... Alors celle-là, elle s'est téléportée dans le ciel, j'ai pas compris. Mais les poules peuvent monter sur les petites planches de bois pour soit boire, soit manger. Et ensuite, à l'intérieur, elles se retrouvent ici dans les perchoirs. Il y en a certaines qui arrivent à monter. Ensuite, pour récupérer les œufs, vous avez directement un autre local qui se situe en fait derrière le mur où elles pondent. Et ici, les œufs apparaissent. Ben, vous voyez, ici, il y a une boîte. Voilà, vous pouvez la poser sur la table si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu des décorations, c'est assez artisanal. Et vous pouvez fermer la porte, bien évidemment. Voilà, on aura fait donc le tour des bâtiments. Il n'y en reste qu'un seul qui n'a pas de fonction particulière, c'est simplement un bâtiment de stockage. C'est le bâtiment annexe, c'est celui-ci. Donc c'est un bâtiment qui est gratuit, qui est déjà disponible sur le site internet d'ailleurs, au même titre que tous les décors de la ferme. Vous pouvez y stocker des véhicules, des équipements matériels. Et voilà. Je vais refaire un petit tour de la ferme. Je vous invite à aller voir la vidéo où on construit le corps de ferme ensemble. Ça vous montrera comment l'agencer, quel bâtiment placer en premier et ensuite comment déplacer les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser sur la page Facebook ou sur le site internet de Massette. On y répondra bien évidemment. Ici, j'avais fait un petit espace pour pouvoir poser des objets. Et également mettre une serre pour ceux qui font un petit peu de maraîchage. Là j'ai remis le bâtiment annexe. Il est assez pratique ce bâtiment parce qu'en fait il est petit en taille, donc on peut le mettre un petit peu partout. Voilà, même au bord d'un champ, ça fait assez réaliste. Et voilà. Je vous invite également à télécharger ce mode qui est un mode par Massette également de décor en fait qu'on peut poser au pied des murs, au pied des fermes. C'est tous les éléments un petit peu qui traînent partout. Ça ajoute un petit peu de réalisme. Voilà, j'espère que ce...
cette petite visite du corps de ferme vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer aux photos des bâtiments que vous avez implantés, que vous avez, comment dire, vous avez agencés ensemble. On aime bien en général voir les fermes des autres, ça nous donne beaucoup d'idées pour les futurs bâtiments. Voilà, je vous remercie pour ceux qui achèteront les bâtiments et je vous dis à très bientôt.